Mais Ferrego là, bon, rien à dire, hein, c'est la meilleure voix. il y a Congo sans polémique. Alors, Odemba, il aura peine à Mokanaye. Alors, inspiration en Utagiwana, et puis on a fait. Et puis, Dynastie aussi, IGF, c'est parmi ma chanson préférée. Et puis, c'est ce qui a fait ce qu'il a donné. Et puis, Akofi Olomide, c'est la légende. La légende, donc, quoi, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, il fallait vraiment pour toucher Batumoro pour Oyo, Batumoro exercice. Voilà, le Batumoro, Batumoro, vous a facilité. On avait perdu quelques pas d'avance par rapport à Babaninga dans Babanin, les cas qui, peut-être, si je peux dire, peut-être deux ou trois ans passés. Alors, pour être vrai et franc, maintenant là, nous avons toujours zone là, vraiment, parce que toujours zone là, vraiment, il y a surtout dans la sortie de l'album, artiste, on a vu sur la Bimissi, il y a Dynastie là, terrain. En tout cas, tu passes partout, tu sens que les autres bêtes, surtout, et ça, le mixage, il y a la culture, ça fait vraiment que toujours zone là. Et puis, tu sens que la musique, ils aura toujours copié à l'extérieur, mais la négé moussous. On se pose des questions. Faire rigole la zone ou à Kofi Olomide, pourquoi ça va être sous mon thème passé ou bien artistiquement et c'est que Kofi Olomide a yemba na dynastie. Déjà présence à Kofi Olomide, la légende, comme m'a fait moi, ma rame belé à bien. Tu évites ce que Kofi Olomide, comme m'a fait Cindy Lecaire, parce qu'on a fait rigole la grande chanteuse Yamboka, la grande chanteur Yamboka, plus la légende. Quoi tu as choisi d'abord? Blaise Boula, Kofi Olomide ainsi que Fé Rigola. Parce que dans mon cas, tu as un artiste belé, tu as un papa Wemba, tu as un Werason, Jubem Piana, Fali, Poupa. L'artiste est basé sur Ming. Mais pourquoi les choix car non, il y a trois artistes et wana? Oui. Bon, si je dis que le choix était facile, vous allez vraiment un peu du mensonge parce que dans 6 minutes. Tu as un grand artiste quand au lobby et puis pour une chanson de 6 minutes pour sélectionner vraiment un grand, c'est vraiment difficile. Mais au départ, on voulait quelque chose de mélancolique d'abord et puis tout d'un besoin et là au moment au Demba qu'on est au Demba Penezalara et puis on va le baiser par choix. Monsieur Zagui décidé par le choix, quand j'ai un sentiment comme ça, ça se passe. Mais le premier, c'est une chanson très mélancolique. D'abord, on a eu un malade trop depuis que tout cola. Et puis, mélancolana et Kenda qui en a dit, commençons avec ça. Et puis, merci beaucoup, chers amis, chers abonnés des Emergence One Télévision. Vous êtes disséminés à travers le monde entier, toujours dans le cadre de votre émission Culture à la In. Tariq Ngang, le richissime journaliste en Zambé, à la présentation de cette grande émission. J'espère bien que vous êtes tellement bien portants. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, nous allons parler de plusieurs points d'actualité, entre autres. Ferregola qui nous annonce déjà son retour à Kinshasa avec un concert inédit au niveau du Rotana Hotel le 12 novembre. Concert live acoustique $100. Avec Ferregola, les padres, il y a également le concert tant entendu à Esplanade à Palais du Peuple ainsi que les concerts à Stade des Martyrs au ESA en 2023 l'été prochain. Et puis nous allons parler de Fally Ipupa Owapi déjà le 29 décembre et le 29 octobre, donc dans une semaine, trois jours, Stade des Martyrs. La nouvelle génération va commencer l'histoire dans Stade des Martyrs. Après, il y aura également Héritier Watanabe ainsi que Fé Rigola. Vraiment, donnons la chance à cette nouvelle génération. Comment l'histoire Ndenge Wera, à comment Ndenge Jiba, comment Papa Wemba, Kofi Olomide. Aujourd'hui également, la nouvelle génération peut partir à l'empreinte et à l'archive. Dans les annales, il y a culture, il y a Mboka, il y a peut bêta Stade des Martyrs. Et ça, là, Kabien, déjà sans plus tarder, je dis un grand merci à Mido qui est derrière la caméra, à Junior Kapa et à niveau montage. Un grand merci également à Digue Le Noir, le manager.
Et Babi dit Genza, le manager, plein de bonnes choses à vous. Également à ça, Jambo Kayam Paka, un bois assisté, Soka Nizalara. Bagolois, Bagolois, nous sommes tous disséminés à travers le monde entier. Nous vous disons merci beaucoup. Nous vous signalons également, au cours de cette émission, nous aurons un invité, c'est-à-dire nous aurons un appel en direct au niveau de l'Afrique du Sud. Nous allons nous entretenir avec un artiste et musicien congolais qui évolue au niveau de l'Afrique du Sud, à la personne de Francesco Demi Amor et Owapi. A Bézé Lagso acoustique, Owapi Tomoni a inséré Kofi Olomide, Ferrego, la Blaise Boula. Tout solennel, tout yé, pourquoi les choix? Il y a acoustique, il y a Aponi Ferré, Blaise Boula ainsi que Kofi Olomide, tout yé. Qu'est-ce qu'il fait au niveau de l'Afrique du Sud? Comment est-ce qu'il attend une carrière? Merci beaucoup à Yalain Kembe, la garçon de disque, Papa Naninette depuis Paris. Plein de bonnes choses à vous également, à Steven Duka, mon ami depuis Italie, Bambo Tenayo, Papa Hubert Kabasele, Mwesha Moumouena. Plein de bonnes choses à vous, Maître Pedro Dikema. Déjà, sans plus tarder, tout maintenant, le solo a fait rigoler les padres de Jésus de Niance. Oh, Wapi, il nous annonce son retour dans le niveau de Kinshasa avec un concert le 12 novembre dans Rotana Hotel. Déjà, l'artiste est libre de se déplacer, de quitter le sol français. Parce que le 5 novembre, l'artiste sera au niveau de l'Abidjan. Au Abidjan, un concert, il y a mon nez dans Sofitel Hotel. Les Abidjanais, les Abidjanaises, nous surtout, rendez-vous à ne pas manquer. Ferregola arrive en Abidjan le 5 novembre pour un concert. Surtout, vous serez le premier servi parce que Dynasty, Depuy et Bima, le tout premier concert au Betama, ils ont un niveau, il y a Abidjan. Au Betama, en Nigeria, c'était juste une invitation, il y a Boss Gessi à Samagé, mais dans le Nigeria et dans Abidjan, ils avaient le tout premier concert, il y a Dynasty. Vous êtes tellement heureux, vous êtes tellement content parce que vos yeux concert, il y a Dynasty, Batali Bosso, d'habitude, tu es bébé, ta maman, on a qu'une chasse après Bimi Libanda. Mais cette fois-ci, Abidjan, d'Azo, il y a un Dynasty, après Akaboli, Nabambo, Kamsous, un amical de la rumba congolaise, dans le niveau d'Abidjan, pour soutenir le concert, et que ça l'a bien. Déjà, vous savez que l'artiste avait connu tellement de problèmes. Il a été incarcéré pendant au moins 5 mois. Dans le niveau, il y a... Pendant au moins 3 mois comme ça. Dans le niveau, il y a Paris, Oana, Bino Toutouye, Biba Réalité, les Kaki. L'artiste est azongé en pleine forme. Pour savourer, il y a des marathons, des marathons, des Okapi, des cartes roses, et que ça l'a bien. Bisopé na Kinshasa, awa. Toujours, toujours, toujours lutter pour nous soutenir artistes. Surtout que volume 2, il y a Dynasty. Et là, Pene Pene Arobe, là, où a pu participation. Tout le monde est quatre ici, la frontière. Tout le monde est carcé, la tête, côté, la carte. Tout le monde est bana, ok, à travers Malangi. Baye na carte, voilà. Et que ça, là, bientôt sentir Dynasty, deuxième volume. Koyoka, fait rigole avec JDT, fait rigole avec Emile Alias, fait rigole avec Babine Dombe, avec Adjani. Nous vous signalons également la présence, il y a Déplique Pomba Owapi à recevoir qui officiellement invitation à y pour un concert Wana et pour la dynastie. Je ne sais pas si miel de son pas recevoir invitation. Comment faire rigole à papa Malam ou papa Hervé Azo Kabola Lipa, Nabandekone Azo Kabola Lipa, Nabaninganae Owapi et que ça là, plaisir, il y a bien plaisir, plaisir vraiment. Restons toujours branchés, tout soutenir l'artiste. Et puis surtout qu'il y a la plus grande surprise, il y a Dynasty. On nous annonce la présence de Kofi Olomide, les grammes au pao. On se pose des questions. Fait rigole la zone Kofi Olomide. Pourquoi ça va être sous mon thème passé? Ou bien artistiquement, et c'est que Kofi Olomide a yembana Dynasty. Déjà présence à Kofi Olomide, la légende, comme il m'appelle moi, Maram Bébélé, a bien. Tu évites ce que Kofi Olomide, comme il m'appelle Cindy Lecker. Parce qu'on a fait rigolo, la grande chanteuse Yamboka, la grande chanteur Yamboka, plus la légende. Tu évites ceux qui écho Zala, Ndengeni. Je crois bien que Bagolois, Bagolois, tu vas disséminer à travers le monde entier. C'est un grand plaisir pour vous parce que Bolobaka fait rigolo ou rien. Merci Ngama, le manager en direct de Luanda. Plein de bonnes choses à vous. Nzambaza, Nabino Abate, Nabino Fan Club, Tariq Ngama, Unakati à Luanda. Bon, continuez toujours à soutenir Bissot. Et que ça, la bien promotion et dynastie, ils ont continué à Kinshasa. L'orchestre, ils ont répété chaque mardi et puis chaque jeudi. Dans le niveau, il y a Lingua là derrière, parler du peuple chez les honorables. Et pas, il y a Boss et Jean Zo, la Maramino surtout. Et Zakuna, merci beaucoup, Nabagola, Bagola Junior. Tout, il y a Dadan Gwabana, général, fils Nkelele. Excusez, je suis désolé. Bino Nyon surtout, Eskabozali. Bon, continuez toujours à soutenir artistes. Artistes, ils ont besoin de soutien, Bino. Artiste a besoin de
Maboko, on a besoin ya bocha et poids et que ça la bien. Un dynastie déjà premier volume et ça qui est tâtonné parce que l'artiste lui-même avait connu des problèmes dans le niveau ya justice. Maintenant surtout j'espère que Eza bien. Déjà je vous signale que Togozala en direct. Je vous signale déjà que nous serons en direct dans cette émission avec Francesco de Miamore. Hein? Nous serons en direct dans cette émission avec Francesco de Miamore. Oh, déjà bientôt, nous allons faire l'appel. Nous allons faire un gros solo là. Un grand merci à tout le monde. Déjà, le deuxième point, c'est l'histoire de la star des martyrs. L'histoire de la star des martyrs. Fallait pour pas. Artiste Amboka s'est prononcé il y a au moins 3 ans passés pour le stade des martyrs. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours. Il y a concert Wana Owa puis tout le monde qui arrivé à ba musicien Fally Ipupa. C'était d'abord le dimanche. Il y a mon Kumaki lobby. Déjà, j'espère bien qu'on est là pour la culture congolaise. Nous défendons les artistes Amboka. Nous sommes des Gaulois. Toujours l'obéla histoire à Amboka. Déjà, stade des martyrs, on se pose des questions. Écoute, tonda, tonda, motivation que vous avez. Déjà, concert, il a fallu pour pas. Ça va donner des leçons, ça va donner des inspirations à certains artistes. Oh, on peut annoncer concert avant le stade des martyrs. Entre autres, Héritier Watanabe le 25 décembre. Et puis, faire rigole à niveau au mois de juin il y a 2023. Il y a également le Oscar Mister Poutine qui nous avait annoncé le concert à niveau IMCA. Mais si c'est le Otozo Monata et Loko Mokoti. On se pose des questions. C'est le Yoscram. C'était juste pour creuser le buzz. Il y a un au Tchaki concert le 25. Ou bien, réellement, tu avais besoin. Il y a concert Wana. Hein? On se pose des questions, les sous. C'est le Yoscram. C'était juste pour tirer la rafale Libaya. Ou bien, au tirer la périté Libaya. Ou bien, on se met un concert. Parce que Tissiko, il y a. À ta banderole mondiale, c'est le Wé Mati. Panneau mondiale, c'est le Wé Mati. Publicité mondiale, c'est le Ezolé. C'est le Scram. Je suis bien que un grand monsieur comme toi m'a emmené sur tout ça déjà bien. Dans mon égard, il y a une affiche. Dans Internet. Mais il y a une chasse à vivre là au monde. Et puis, tu peux taper le solo. Il y a Héritier Watanabe le 25. À un niveau, il y a Stade des Martyrs. Wata, le 25 Stade des Martyrs. Tu peux si chance na yo mwana wenge. Tu peux si chance na batoto wabe ta stade des martyrs. Et puis tu es baga ndenge makambo et ko tambola. Déjà sans plus tarder, je vais demander à Mido qui est derrière la caméra à mega ko balancer les biso image oyo. Tu ko pesa biso passage to yamba. To ça la appel depuis Afrique du Sud sur la artiste Amboka Francesco de Miamore to mega ko sur la naye, ba jeune talent, ba jeune artiste, ba mécène boza disséminé à travers le monde entier. Didier Chombo, petit Géjean direct de l'Afrique du Sud. Hein? Le poison cassé, Kabozé Bélé, Barti, c'est basé Bélé, basé évolué. Bon, mais je vais soutenir, je vais vous poids et que ça, là, tellement bien. Déjà, sans plus tarder, je vais vous tirer la biseau image. Oh, après tant de choses, je vais vous faire un photo sur la main. Voilà, merci beaucoup. J'espère bien que ces images ça lui plaisir dans Balandignon, surtout il y a Émergence One Télévision Bosepeli, la belle voix de Francesco de Miamore et Owapi. Tous les années en direct et Sigo. Là, je profite de saluer Jacob Pembele, hein, 1m89. Un bon tonton, hein, tonton Jacob Pembele, 1m89, Mobali Mbinga. Plein de bonnes choses à vous également à Pamphile Mouza. Hein, bah, également, dans Batutu Bozo Landa.
Tariq Ngango, ancien testant, vous avez disséminé à travers le monde entier, journaliste en Zambé, Tobé Talisolo et Kosalabé. Un grand merci également à Gali Molima, le directeur Nakata DGRK. Plein de bonnes choses à toi, mon ami. Également à Chris Kunda, hein, Chris Kunda Nakatia, RTN ici, la chaîne nationale, contrôlée par Makambusa, bien Chris Kunda. Plein de bonnes choses à vous, Nzambé Azanam, Nabatelabino. Sans plus tarder, je vais faire mon appel déjà à Bingara Francesco de Miyamori. Oh, wapito, mega solo là. Tobet ali solo, ya carrière naïe, na ce qu'il entreprend, ya kosala na cadre, ya musique, ya mbo cannabis. Déjà, j'espère que voilà, artiste ya nabiso déjà à Zan en ligne. Bonjour, Francesco de Miyamori. Bonjour, bonjour, Tariq Mbando. Voilà. Bonjour, Swan. Voilà, Tariq Ngango, André de l'Emergence One Télévision. Francesco, vous êtes en direct de l'Emergence One Télévision. Toyami, to megaro solo, to betano li solo ya yo, to betape li solo ya carrière na yo. Boni d'abord, santé. Non, ça va, tout va bien, on est là. Toza na biso pépère, moi, ba climat pe komi nango bien, toujours ba chaleur, ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir dans l'émission à Bino et vraiment, je remercie toute l'équipe pour la considération aussi en tout cas. Voilà, merci beaucoup Francesco de Miyamori et nous également nous sommes très contents. Yako Yamba on a émission à Bissot. Déjà d'entrée déjà, tu peux nous expliquer Francesco de Miyamori et Azanani. Francesco de Miyamori et Asalaranin. Bah comprendre d'abord bah yeba au décliner son identité na au décliner son c'est quoi ça là ka public aux olandais sur l'émergence soit en télévision ou ils a disséminé à travers le monde entier bah comprendre déjà que Francesco Azanan. Bon bref Francesco le mis à mon cousin je peux dire Aza artiste musicien, c'est un chanteur, c'est un compositeur, c'est un danseur, c'est tout au même moment en fait. En bref, c'est un artiste musicien et puis voilà. Débita carrière mais moi Kala mais toujours pousse en moi comme écrivain et puis maintenant là toujours pousse en moi en solo et puis voilà quoi. Donc, en bref c'est ça. Voilà, en général Francesco de Miyamori, artiste musicien, interprète, danseur et puis auteur compositeur. Merci beaucoup. Maintenant d'entrée de jeu, Francesco Tomonaki sur ta chaîne YouTube au Célibiso acoustique. Acoustique avec et ont interprété bah artiste Aminene Yambo Kanabiso, tout le monde qui Blaise Boula, tout le monde Kofi Olomide, tout le monde également fait Régolana interprétation. Non. Tu peux nous expliquer d'abord l'idée, c'était d'abord quoi? Zaga omi bimisano na public à travers Banzembo ya Batu ou bien au Glandiga ande baninga musuba interpréter après ba grand. Bon, tu vois, dans le monde de la musique, la présentation est toujours important. Voilà. Donc, de fait, na coulisses, na tebele ba koye ba yo, mais en réalité, comme ça, tebele ba koye ba te ki et qui. Alors, il fallait qu'on se présente d'abord. Donc, on a la présentation, voilà qui je suis, voilà ma voix et voilà ce qu'on peut faire. C'est pourquoi on a essayé à vous. Il y a aussi la banzé mboama autrement et puis au pays sans couleur. Donc c'était un peu ça l'idée générale. Alors je ne sais pas si on retourne en termes d'idées à la sélection banzé par exemple. Voilà, c'est la question que je voulais poser ensuite, malgré tout anticipé. La question pourquoi tu as choisi d'abord Blaise Boula Kofi Olomide ainsi que Fé Régola. Parce que dans mon cas, tu as un artiste Bélé, tu as Papa Wemba, tu as Werason, Jubem Piana, Fali, Poupa. L'artiste, c'est pas ça, mais Ming. Mais pourquoi les choix, il y a trois artistes wana? Oui, oui. Bon, si je dis que le choix était facile, il vous a vraiment un peu du mensonge parce que dans 6 minutes, tu as un grand artiste quand au lobby. Et puis pour une chanson de 6 minutes, pour sélectionner vraiment la grand, c'est vraiment difficile. Mais au départ, on voulait quelque chose de mélancolique d'abord. Et puis tout ça, on a besoin de Odemba, qu'on est Odemba, Penezalara. Et puis, on va les appeler par choix. Monsieur Zagui décidé par le choix, quand il y a un sentiment comme ça, ça se passe. Mais le premier, c'est une chanson très mélancolique. D'abord, on a eu un manzé malade depuis que tu es là.
Et puis, Mélanco, Anna et Kendak, on a dit, commençons avec ça. Et puis, mais Ferrego là, bon, rien à dire, hein, c'est la meilleure voix. Il y a Congo sans polémique. Alors, Odemba, ils ont peine à peine à Mokanaï. Alors, inspiration à Néoutakiwana, et puis on a fait. Et puis, Dynastie aussi, IGF, c'est parmi ma chanson préférée. Et puis, c'est ce qui a fait ce que tu as donné. Et puis, Akofi Olomide, c'est la légende. La légende, quoi, voilà. Donc, voilà. Donc, il fallait vraiment toucher Batumoro pour les Oyo, parce que c'est un peu sur le exercice. Voilà, mais Batumoro, c'est un peu sur le vous a facilité. Ce sont des travaux qui ont été faits vraiment à niveau moro, très, très. Artistiquement, c'était très battu, alors il fallait donc accomplir l'exercice pour pouvoir comprendre que non, si on peut le faire, on peut faire d'autres. Voilà, en t'écoutant parler au lobby, je suis monsieur Zaki par sentiment. Sentiment parce que tu es fan, il y a artiste, et oh, on peut le dire comme ça. Je peux le dire comme ça, d'abord je suis très fan de Koffi Olomide, je suis très fan de Ferrego. Voilà. Donc, il faut que je le dise, Nayora a fait rigoler trop, et puis Nayemba a fait rigoler trop, Nayinterprète a fait rigoler trop. En fait, l'exercice est belémine, et je fais ça par rapport à Ferré. Alors, on a dit que si je le fais comme ça, nous allons mesurer la facilité à Bokken de Banzela. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Francesco de Miamore. On continue toujours dans le cadre de notre interview. Nayo, déjà, Tomoni couleur au PC Bissot, il y a acoustique. Voilà. Mais il y a une autre question. Tu te prépares comment? Est-ce que Oza Nakata Studio, Nandawa Loyembo, vous avez préparé disque, vous avez préparé single ou Ndengenin? Normalement, acoustique, on est bimé, c'est la première partie parce que la chose est un peu difficile, mais c'est la première partie. Première partie, on a de Benyango, Rumba 243. Ouais, Rumba 243. Voilà, donc, et puis on a deuxième partie, Zoya, deuxième partie, on est à l'acoustique. C'est pourquoi on a un titre en deux mois pour moi, c'est écrit 1 sur 2, parce qu'il y a un 2 sur 2 qui arrive. Et vous clôturez acoustique voilà, et vous allez wake up et approcher le vidéo sur une papa ou une il fallait aussi, comme j'ai dit, il faut copier l'écran et puis vous allez les autres. Mais moi-même, maintenant, là, présentement, je suis en studio parce que nous avons préparé mon tout premier single. On a révélé la minute où ça sera intitulé Nuit de pleurs. Et ça l'a intitulé comment? Nuit de pleurs. Nuit de pleurs. Voilà, nuit de pleurs. Ok, c'est bon. Déjà, on évoluera comment au niveau d'Afrique du Sud? Parce qu'Afrique du Sud, c'est également un pays à culture amenée. On évoluera comment? 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 Il y a un accompagnateur, on va accompagner artiste, on va show, on va événement et tout et tout. Et puis, on va accompagner petit, on va studio partout. Mais on a une équipe qui restreinte, on va maintenant autour de moi. Le coup là, Yannick Lumba, là, par exemple, donc, ils sont là donc, pour encadrer sur le plan artistique. Que si maintenant on a besoin, on va toujours une équipe qui va mais sinon, voilà, on a un groupe. Pour l'accompagner là un peu partout, on a qui est en cours, pour ma performance, ma concert, ma studio et tout. Voilà, merci beaucoup Francesco de Miamor. On continue toujours. Là, je dis un grand merci à Batutu Bosouté Naraba, artiste congolais, artiste va être disséminé à travers le monde entier. Artiste est soutenu, mécène, producteur. Les artistes ont besoin d'abino et que ça l'a bien. Francesco de Miamor, on continue avec notre interview. À quand la sortie à Nuit des Plaires? Est-ce que tu prévois Ebima bientôt ou bien Ezana nous amène à Ndakwa Loyembo? Est-ce que Nakati a Nuit des Plaires na wana toko zo pe ba featuring Nakati ou bien Ozana aura Yomo? Non, la Nuit des Plaires, en tout cas si tout va bien, on aimerait bien que Ebima le 14 février, l'année Otorobanda 2023. Voilà. Tu es en avance, hein? Oui. Vraiment. Voilà. Donc, le 14
février 2023, Wana voulait sortir nu de plaire et aux ala ngamoko, mais na kinango na ba style ya, c'est pourquoi même j'ai interprété Ferrego là parce que aux ala na ba style moko ya ba rumba trap. Tu vois les pas de Mémela Obisso, à Mémela Obisso le moment de la sika faut exploiter. Voilà. Alors Wana bandiango déjà. Donc là au côté déjà une école ya rumba trap. Donc vamos a rumba trap. Donc 3 minutes donc bah, on parle de gars que oui ça c'est l'école du rumba trap quoi. Ça c'est fait rigoler. Voilà l'école de rumba. Est-ce qu'il y aura des featuring à Gatia Nuit des Plaires ou non? Nuit des Plaires il n'y aura pas de featuring, mais un single il y aura moi seul et puis voilà. Donc il faut d'abord essayer de montrer de quoi on est capable. Voilà, il faut montrer de quoi vous êtes capable. Par rapport à l'une des dernières questions, évolution de la musique et de la République démocratique du Congo à niveau de la South Africa, la musique évolue comment? Vous avez sur place, vous avez la réalité, vous avez la musique qui est vivre en Congo. Est-ce que la musique congolaise s'impose comme auparavant ou bien vous perdez la lignée? Mais quand on vous explique, tout le monde. Internautes, abonnés à Emergence ou en télévision, mais un peu comprendre l'année la histoire en bien. Non, en tout cas, surprenant, et là on a voulu le que bon, on avait perdu quelques pas d'avance par rapport à la Baninga les cas qui, peut-être, si je peux dire, peut-être deux ou trois ans passés. Alors, pour être vrai et franc, maintenant là, nous avons toujours zone vraiment, parce que toujours zone vraiment, il y a surtout l'année, nous avons sorti un album, artiste, il y a dynastie, il y a terrain, en tout cas, tu passes partout, tu sens que, ils ont bêta, surtout, et ça, il y a un mixage, il y a la culture, ça fait vraiment que toujours zone là, et puis tu sens que la musique, ils auront toujours copié. À l'extérieur, mais la négé moussou. Son check, bateau inspiration, n'a pas vu de panabiso. Alors, on est vraiment grand à l'extérieur. Soit il te groupe, ça fait respect, on a intérieurement, n'a pas artiste, n'a pas vu, ça vraiment très, très, très important pour bazar vraiment, n'aime ni de panda. Et ils arrivent ici souvent, quand il y a un concert d'un grand artiste ici, au monde, que non, il y a vraiment la mobilisation et puis. Bazar très mobilisé parce que c'est ça. Ils ont vraiment le niveau exact. Voilà, merci beaucoup. On espère bien que tu as retrouvé na Kinshasa, tu as retrouvé comment Bad Bazar disséminé à travers le monde entier. Vous avez une chaîne YouTube. Mais quand on explique ma chaîne YouTube, non, parce que bah, faut bah, s'abonner, bah, la peu d'informations personnelles dans la chaîne YouTube, non, la page Facebook, na yo, Instagram également, TikTok. Mais quand on explique comment est-ce que bah, bah, on retrouve Francesco de Mi Amore? Oui, donc en tout cas, ma chaîne YouTube là, bah, tu vas s'abonner, Belena F de Mi Amore officiel. Comment l'ango? D'abord, c'est F de Mi Amore officiel. Voilà. Alors, facilement, ceux qui déjà ont dit Rumba 243 au moins à Kip, alors tu ça peut directement te conduire sur la chaîne et puis t'abonner facilement. On va s'abonner parce que le 4, donc c'est là où on va sortir aussi Obisiami Ballet. Okay. Donc ça a déjà dispo à partir des 4. Les autres, on va s'abonner par Rumba Lamoko. Instagram, c'est pareil, c'est Francesco de Miamor. Et puis voilà, on est là. Et pour tout ce qui veut me contacter directement, c'est +27 63 347 90 88. Voilà, vous pouvez répéter les numéros et que vous allez bien parce que Badba retenir en haut. Ouais, les numéros c'est +27 63 347 90 88. Voilà, Francesco de Mi Amore, j'espère bien que. Nous avons bien parlé, ton solo, ton mingi gobe, t'as moi le solo, ya musique, yambo, capen à niveau Afrique du Sud, ton petit solo, carrière, nayo. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire autant, sous ton tunio, t'es aux Anglicans, sous ton loba. Nous nous sommes passés à côté de cela. Et puis, en mot de la fin, bah, méloman, nayo, bah, public, nayo, bah, Hollandayo. Qu'est-ce que tu peux dire, quoi? Non, je salue juste tout le monde, je veux dire merci, ma bateau, baso visualiser, là, déjà sur YouTube, je vis, tous en a.
Tokomi presque 4000 vues en 2 semaines, c'est déjà beaucoup. Et voilà. Je remercie tous ces gens-là. Bazo Kota, Bazo Sabonné, Bazo Tala, vraiment, nous, de notre côté, on continue toujours à faire de notre mieux. Pour que Sabino va travailler mon corps bien fait, bien battu, vous ne serez pas déçus. Musique, toujours, en amour, ils ont vraiment un peu différent. Ils ont musique, la vie, mais tout ça, la mouté, la bande, toujours dans le col, il y a pas grand artiste. Donc voilà, je dis merci à tout le monde, à vous aussi, et puis je dis. Bonjour à beaucoup de gens. Ben, ma base est belle, moi, on va prendre. Non, t'as raté quelques-uns ben, et ça va bien, voilà. C'est vrai que le baron, le sous le baguette, voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais je peux dire bon, un grand bonjour à mon boss, Dr. Hilaire Mboli, et puis à Daddy Gam, qui est très compétent, Zana, à Zosala Moussalane, pour la peine à Kim, du niveau marketing, et puis Yannick Goumbala, très talentueux. Merci à toi et puis j'adore Kabamba. Non, merci à tout le monde et merci à toi aussi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Francesco de Miamor. Et moi je dis un grand merci à Jaco Pembele. Jaco Pembele Moutassala qui moi ma cam. Oui, oui, le manager oui, Jaco Pembele. 1m89, Mobali Mbinga. Merci beaucoup à vous. Vraiment, c'est un grand plaisir, Yo Yambayo. On dirait qu'il y a Emergence One Télévision. On garde contact et puis tout ça, la promotion. Il y a Rumba de sa 40. Et puis abonnez-vous massivement sur Francesco de Miamor et na YouTube. On se voit prochainement, on s'appelle. Merci, moi je continue l'émission, Francesco. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Voilà, merci chers amis. J'espère bien que c'était Francesco de Miamor et depuis Afrique du Sud, Tomiko Solo, là, tu as expliqué Maramoune Zala qui va comprendre. Il y a des artistes congolais qui évoluent à l'étranger, bon, ça peut fierté à Mboka. Soutenir Bango, bah, mais c'est tout beau soutenir à bah, musicien, beau soutenir ces jeunes artistes. Et déjà, je crois bien que mis de banner ou balancer nous bah, image à illustration, bout à la commence que l'artiste évolue, bout à niveau bah, qualité, bah, n'y a sali et bah, clip à sali vraiment tout soutenir et que ça la peine bien. Quant à moi, je dis un grand merci à Mido qui est derrière la caméra, à Junior Kapaya, au niveau à montage, à Junior Bassele, Junior Bassele, autrement dit ça, Jamboka Yampaka. Plein de bonnes choses à vous, à Nancy Bassele, la Gauloise, Digue, les Noirs, le manager, bah, tout. Alain Kembe, la garçon des disques, bah, tout le monde, surtout Boulingara Tariq Ngango. Nous sommes très contents de vous savoir si nombreux, bah, mbote, na, bah, tout, hein, Boubenginga, trop Tariq, aux hommes, on a insulté. Je suis là, tout seul, là, et ça, là. Kabien, la joie de Yaké, c'est depuis Paris, plein de bonnes choses à vous. Également à Natacha Gola, hein, Il y a Roger le combattant, je suis là, hein, je suis là. Francis Mavimpi, hein, Yaya Kati, Nakatia Orléans, plein de bonnes choses à vous. Gini Gemba, le papa na Ibertina, bambote nao. Julio Tamba, le revendeur. Il y a Julio Tamba, le revendeur, Mutate Garami Touraya Solo, Béni Lobela Agaïsé, fils à papa, plein de gens. Plein de bonnes choses à vous. Nzambe abatel, mais yam pas kanazo comprendre été bambouti na batunion surtout. Nzambe azana. Un grand merci également à mon ami, celui que j'appelle Bertie Souve, papa Zara en direct d'Istanbul. Papi Bertie Souve Zara, plein de bonnes choses à vous. Nzambe azana yo abatela yo, maman surtout du toko. Joëlla Matempa, plein de bonnes choses à vous. Armel Ndombe, hein, yayo yangwana, petit nanga lawa. Bambouti na binonion surtout, maman Zara toujours qui toko. Zégué, mon konza marché, babi, Zégué, très Zégué, dans le marché, marché central, dans le Zando. Plein de bonnes choses, fils et mouille, l'histoire va Playboy, Regen et pas Moudeni, mon ami Zadio Congolo, les patrons, beau gosse, Abed Achour, Bambo Tinayo, également Hakim El Matador, hein, les Gaulois. Plein de bonnes choses à vous, on se retrouve prochainement sur Emergence One Télévision, toujours dans le cadre de votre émission Culture à la Île.